Ok, là on est arrivé à la gare. Les gars, je suis stressée. Mon sac il est énorme. Là on va prendre le train de nuit. On a genre 14 heures de voyage en train couchette. On n'est pas prête, apparemment il y a des cafards. En vrai ça va être cool parce que c'est une expérience. Mais je sais pas, je suis full stressée. J'ai profité d'Hanoï, c'est une superbe ville. Ah mais oui, mais moi je vous prends comme ça. Mais en fait on est au vlog 2 là. J'espère que la première partie vous a plu. Bon allez, on passe les petits portiques. Je suis en stress, je sais pas pourquoi. Je suis là. On est ensemble, together forever. Oh, mais c'est très coquette, hein. Ah, moi je suis en bas de 10, mais genre je veux bien être en haut. Hein. Bon, par contre, moi je check mon matelas juste. Ouais, moi aussi. Justine, enquêtrice. Oh putain, il y a du caca. Oh non. C'est horrible. C'est du caca, ça, non? Ah, ouais, je sais pas trop. Non, je crois que c'est le métal. Non, c'est le métal qui est-ce que. Oui, c'est métal qui rouille. Je préfère vraiment être dans l'ignorance. Moi. Mais y a toutes les affaires. Les gars, il y a même un menu dans le train. On part. Ça vibre pas trop. On est pas mal. Pas trop vite. Oh là là. Hello. C'est offert ou pas? Ah non. Non. Il parle de. Il parle le caddie. Le caddie parle. Regardez les mangues, elles donnaient envie apparemment, mais plus maintenant. Date dans le train. Aïe, fines herbes, petite baguette. Ça, c'est pas vous êtes pas mis. Voilà, ouais. Chips classiques. Des petits Mikado. Ah oui. Et des Kit Kat au matcha, ça c'est le meilleur. Ça, c'est très bon. Une petite barre de céréales fitness. Je savais pas à quoi s'attendre. Des kimbap au kimchi et au fromage. Regardez ce repas de rêve. Je sais que je fais des jaloux là, à ce moment-là. Nous sommes littéralement au PMU. Voilà. Mais je te dis qu'elle est undercover. Undercover, ouais. Je te l'ai dit. Allez, undercover. Je comprends rien. Allez, 1, 2, 3. Tu es le maillon faible. Mais c'est ma vie. On voit direct ou on peut faire un truc. Oh non. J'ai cassé ma bague. Non. Mais comment? Bah, je sais pas, j'ai le tapis. Ici c'est plus propre hein. Bon là on va dodo. On va voir, ça va être très drôle. Le petit lit de Justine. Mais alors toi il est trop garni. Moi il est coquette. Hors de question de mettre ces couvertures là qui puent la mort. C'est horrible. Là on nous a donné des couvertures mais moi hors de question de mettre ça hein. Sur moi, hors de question. Ça me dégoûte, du coup là j'ai un petit pull comme ça. Et je vais avoir froid, la clim elle est à fond là. Donc bah bisous à toutes. Bon update les gars. Il fait mais tellement froid. C'est la clim mais à fond le bal. On est en PLS. J'ai deux couches là. On est retourné dans la galère de la semaine dernière où on avait trop froid quoi. Je sens là ma voix. On va tous être malades. Ça tient pas. Non. Mais pense-moi, j'espère qu'ils vont tenir. Je vais vous montrer notre magnifique œuvre d'art. Comme c'est magnifique. On n'est pas peu fiers. Et moi, je suis fière de nous. Hein. Je suis en psychose. Même si j'ai mis ma serviette, celui-là, en mode, imagine, il y a des poux. Ça me dégoûte. Comment ça, les poux? Il y a les poux des gens, là. Mais il veut pas. Je sais pas. Les poux, ça transperce. Mais bon, on sait jamais, justement. Bon, moi, j'éteins. Je vais péter un câble. Il est 6h30. Coucou les gars, j'espère que ça va. On a fini ce périple de train. C'était atroce. Là, on a pris notre douche. Je vais vous faire un petit tour de l'hôtel. Après se sentir crade et dormir dans des couchettes toutes sales. Ça avait tellement du bien d'être dans un truc très sympa. On m'a ramené un matcha latte. Merci Justine. Là, on va. Ça, c'est genre la rue de notre hôtel. Vous voyez, là, il y a le petit balcon très mimi. Il fait beau. Et là, c'est le côté spa. Regardez-moi ça. Je suis habillée, mais bon, c'est pas grave. Oh, truc de dingue. Truc de dingo.
Et là, c'est devant l'hôtel. Il fait 30 degrés. C'est si agréable, my god. Eh, on est... c'est trop bien là. Bain de soleil là, vous faites. On est à la cité impériale. C'est magnifique. Dans le bateau dragon, regardez, il y en a plein, c'est genre trop beau. Il fait super chaud. Mais on va pas se plaindre parce que toute la semaine dernière, il faisait moche. Oh, l'air, ça fait du bien. Là, on va visiter le tombeau de l'empereur Tuduk. C'est paisible. Regardez juste là, on est au village où on fait l'encens. Et regardez, il y a une dame qui est en train de le faire. Celle-là, elle colle dessus, ça devient de l'encens après là. Et les font sécher comme je viens de vous parler tout à l'heure sur la route. L'encens, c'est ça. Ah ouais, ça sent super bon. Là, c'est une dame qui fait les chapeaux traditionnels. Ça fait toute la journée, elle doit coudre. Et c'est fait avec quoi? La feuille de l'atanier. D'accord. J'adore. Je vais me promener comme ça à Paris. Bon, on est dans un resto typique et là on mange des petites crêpes vietnamiennes. On va mettre oula, tous les crudités et ensuite on le trempe dans la petite sauce qui est juste ici. Les filles ont pris ça aussi, c'est des raviolis mais ils sont au porc là. On n'attend pas là, c'est bon, elle est bonne à. Bon bah en gros en fait on coupe et on met notre laitue et tout. Et là on va mettre notre petite sauce cacahuète. C'est un vrai, tu vois, j'ai besoin de. Allez, bonne à. C'est trop bon les gars. Je suis explosée. Mélanie est partie faire une petite balade. Et moi là, je travaille. Il y a le petit ordi avec les mails. Et moi je suis explosée. Il faut que je monte une vidéo là. En vrai, de vrai, je sais absolument pas à quoi vont ressembler les vlogs. Ça va être un peu une surprise pour moi parce que j'ai jamais autant vlogué. Je me suis beaucoup filmée moi, j'ai pas... beaucoup filmé les filles parce que je me voyais pas genre les déranger ou quoi. Enfin, on kiffe ensemble, mais elles ont pas demandé d'être affichées sur YouTube. Je le conçois, donc je sais qu'il y a des moments que vous aurez sûrement raté et que moi je garde en souvenir pour moi. Mais du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là, il reste plus que... bah, si on compte pas cette nuit, il reste plus que 2 jours au voyage. Je suis, mais dégoûtée. Dégoûtée, genre... je reviens pas, ça passe trop vite. En tout cas, je suis trop contente de vivre ça. C'est un truc de ouf, franchement. Genre, copine de voyage, oh, c'est trop bien. J'ai rencontré des filles extraordinaires. Genre, je les adore. Je suis presque nostalgique d'un truc que je suis encore en train de vivre. On vit des choses intenses. Franchement, le planning est sacrément chargé, mais je le regrette pas. Voilà, je vais vous laisser. Je vais bosser, je vais aller me laver. Je suis extrêmement fatiguée. Et je vous reprends demain. Bisous. Coucou. Bon bah on a bougé là, on est à Dalang. Il y a du monde. On va visiter quoi comme musée? Je sais même plus. Les meufs elles vont visiter un musée, ça va même pas le cas. Il fait beau, il fait chaud, 33 degrés je crois. Bon après plus d'informations, on va visiter un musée de statues. Je ne sais pas quelle statue ça va être. À des vestiges. Donc allons-y. Ganesh ici et là.
re, là on est au marché de Hoyan. Il fait super bon. C'est très cute. Bon, après c'est full touristique, donc forcément. Je crois qu'on va manger des grosses blanches. Je sais pas si moi je pourrais en manger. Regardez le petit temple. Très cute. Ah, j'adore. Bon, du coup, je vais... Dans les halls, il y a des petits trucs aussi, regardez. Des petits souvenirs très kiki. Ah mais ça, ça je vous jure, il y en a de partout. C'est des bougies. C'est un mélange d'odeurs. C'est un truc de ouf. Allez hop, on s'installe là. C'est où la robot? White Rose. On va prendre ça. Mais il faut y aller pour chercher, mais il n'y en a pas ici. Ah, il n'y en a pas ici. Il faut aller sur l'île de Foucault. Ah. J'ai reçu mes nems. Et demain, on va faire une autre. Est-ce que... Trop bon. En vrai, ils ont un petit goût de citronnelle. J'ai reçu mon petit bol. Donc là, j'ai encore des nems, mais juste de vermicelle de riz avec un peu de carottes. Il y a du tofu, un truc en mode chip et des petites nouilles. Est-ce qu'il y a de la sauce? Elle est belle celle-ci. Échalote, piment, mariné, trop bon. Ouh, moi j'ai goûté alors. C'est trop bon ça. J'aime trop les couleurs là. Déjà, excusez-moi, c'est tu cherches quelque chose. C'est bon. J'adore, les nouilles elles sont super bonnes. Ça c'est trop bon. On s'est régalé, c'était délicieux. Vous avez jamais vu le calamar séché comme ça là? Quel le calamar séché là. Wow. À la base du riz, mais les copines c'est le riz complet. Le rouge là que vous avez jamais goûté dans le restaurant. Ah si, moi j'ai déjà goûté. J'ai déjà goûté. En Australie. Il en a plus de goût, le rouge. Très très bon. C'est super beau. Bon là, on va visiter un petit peu l'ancienne ville. Et je vais aller me faire mes tenues sur mesure parce qu'en fait ici... Il y a plein de couturières aussi, ça coûte vraiment rien du tout. Enfin, moins cher que si on se faisait faire des vêtements sur mesure en France. C'est beau! Coucou! Bon, regardez où je suis. Pour le coup, je trouve que pour moi c'est pas cher. Après, ça va dépendre de vous. Bon, regardez déjà, c'est immense. Là, elle va prendre les mesures. Ouais, il y a pas mal de monde là, mais c'est très kiki. Hein. C'est les yeux pour éloigner les mauvais esprits qui vont rentrer dans la maison. Là, ils vendaient du baume du tigre. C'est un chat écaille de tortue, ça s'appelle. Coucou, c'est une femelle, parce qu'en fait, quasiment... Ok, bah voilà. Elle a eu peur. Ne vous pas ce soir. Ah non, c'est bon. Oh non. Oh non. La peau. C'est joli, mais c'est un peu Disney là, mais c'est joli là. Ah oui, là, c'est un peu. De retour. On s'est lavé, préparé. Et on va à un spectacle. J'ai mis le pantalon que je me suis fait faire à Hanoï. Après le spectacle, je crois qu'on va aller boire un verre et on va aller faire un karaoké avec les Québécois que j'ai rencontrés sur la baie d'Along. Regardez-moi ce bolide! Tu sais que j'ai jamais fait ça. Aïe, oh. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Eh ben nickel! J'espère qu'il va rouler comme un fou, ça va être très drôle. On va avoir très peur. C'est parti! Les gens sont blasés, genre. Ouais, les gens ils sont blasés. Oh, le petit. Il est trop rigolo. C'est trop bien. C'est trop cool. C'est trop beau, les gars. Mais on dirait Disney. Oh, regardez les lanternes. C'est trop mimi. Thank you.
Le spectacle, il était trop bien. Et là, on est en train de sortir. Full lumière et tout. Je crois en tout, ça faisait genre 22 euros, mais ça vaut trop le coup en vrai. Trop chouette. La beauté de la ville, le soir, c'est un truc de ouf. J'ai envie de tout prendre en photo, tellement c'est beau, genre. On va aller manger un petit banh mi, conseillé par une abonnée. Putain, c'est fermé. Bon, du coup, le banh mi, ça sera demain. Et là, on va manger une glace. En vrai, je sais même pas ce que ça va donner. Mais j'ai trop faim en fait. Oh my god. Looks very nice. T'as pris quoi? Presque café mangue. Thank you. Elle est trop belle. Là je suis à l'attraction de la foire quoi. Elle est trop bonne. La glace était succulente. Et je l'ai même pas fait tomber. C'est rare hein, pour le coup. Je suis trop fière de moi. Là on rentre à l'hôtel parce que tout le monde est un peu fatigué. Moi franchement j'étais prête à refaire plein de petits trucs. Mais bon c'est pas grave. Je pense que je vais un peu bosser du coup. Parce que là j'avoue je reçois pas mal de mails. Et le retour va être dur. Je le sens. Je suis trop contente. Demain c'est déjà le dernier jour. Trop triste. C'est passé trop vite. On a fait trop de trucs. Au début, je pensais vraiment que ça allait m'achever parce qu'on a quand même un bon rythme. Au final, pas du tout. Mais en même temps, je suis contente de rentrer à Paris parce que je vais retourner à ma routine. Il va faire moche à Paris, je suis pas prête. Bref, demain, on va profiter de la dernière journée. Allez, bisous! Coucou! Eh eh! On part sur un dernier jour en vélo. Ça va être très sympa. Ils sont déjà mieux que ceux de la Béda longue. Et on va aller dans la circulation. Donc c'est parti. Je vous jure, être dans la circulation comme ça, ça fait un peu flipper. Oh là là, c'est orange, vite. Oh putain, bah bon. De toute manière, tout le monde grille, j'ai envie de vous dire. Ça va, ton vélo, il est pas cassé là? C'est toujours mieux que celui d'avant. Non mais le guide il est au téléphone. C'est vraiment tout un art ce truc hein. Et c'est parti. Oh regardez les nénuphars. J'ai toujours ma coéquipière qui est à côté de moi. Il n'y a pas de klaxon, du coup c'est lui le klaxon. Ça c'est des cacahuètes les gars. Approchez un peu. Cacahuètes c'est dans la terre. Eh, vous imaginez tous les apéros qu'on peut se faire là. Vous voyez les cacahuètes. Vous voyez. Là, attendez, regardez. Attends, je peux casser. Je pense que c'est encore trop jeune, ça donne pas. Mais juste petit là. Ah, mais oui, non mais si, il y a quand même la structure. Hein. La structure déjà. On s'est arrêté là et on est dans un petit éco-village. Regardez comme c'est trop mignon. Et là, en gros, on est sur un truc comme ça. C'est très cute. C'est trop beau là. J'adore. Ouh. C'est incroyable ce truc. Toujours dans l'exploration. Oh là là, attention, attention, pardon. Regardez où on est. C'est cute, hein? Ah, c'est trop cool. En gros, il faut se pencher comme ça. Ça tourne. Vous voyez, on est dans les petites barques et tout. On se disait, bon, allez, tranquille, on va visiter les petits palmiers, ça va être sympa. Mais pas du tout. Oh là 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 là, ça me donne le tournis. C'est la partie, hein. Mais le dos. Waouh. Oh là, les gars, regardez cette tenue.
Bon, là, il y a des petites corrections à faire. Ça rend trop bien. Bah, là, normalement, on doit un petit peu couper. Et là, je viens de recommander des trucs parce qu'en fait, je suis folle de ça, quoi. C'est trop beau. Et là, je vais essayer la robe. Je vous montre juste après. Oh, c'est magnifique, j'adore. Tu y arrives. Je vais filmer le bas. Bon les gars, je suis au resto, je vous reprends en mode, voilà, il n'y a pas de transition. Et regardez ce que j'ai pris, un énorme jus, fruit de la passion. On va le tester tout de suite maintenant. Mais il faut que je gratte à l'intérieur du fruit. Oh non! Bon, c'est pas grave. On va tester ça. Délicieux. J'ai commandé des petits trucs, je vous montre tout ça quand ça arrive. Bon, j'ai reçu ma petite assiette de tofu grillé. Ça, c'est de la citronnelle, trop stylé. Et ensuite, en dessous, il y a une sorte de petit tartare avocat avec de la mangue. On va tester ça, une sauce au beurre de cacao. Ouais, ça a l'air trop bon. Je me disais qu'ils ont, négligé les entrées. C'est grave bon. Il y a des concombres aussi, mais en fait, il y a, c'est pas l'avocat, c'est des concombres. Et là, j'ai des petites aubergines frites. Ça sent trop bon. Ok, ok, je fais n'importe quoi. C'est pas neuf, moi c'est poulet. Oh là là, ça fait trop du bien. Les gars, on est en train de rentrer en vélo. Il est genre 23h30. Juste, je vous montre les rues. Alors que d'habitude, c'est bondé. Il n'y a personne. En fait, ici, les gens se lèvent super tôt et se couchent hyper tôt. Et après, on part sur un énorme dodo car je suis morte de fatigue. Bon, allez, on se dit à demain. Je rentre à l'hôtel. Bisous. Coucou. Petit matin. Parce que c'est le jour du départ. Là, comment vous dire? Voilà. Il y en a de partout. C'est le départ. Ça fait très bizarre. Comment vous dire? Je suis très contente de rentrer parce que j'aime trop être chez moi. Enfin, j'aime trop mon chez moi, mes amis, mes habitudes et tout. Petit pincement au cœur en me disant que ça y est, c'est fini quoi. Pas on retourne dans la réalité, mais quelque part presque. Parce que, bah, en fait, on retourne dans ce qu'il faut faire quoi. Retourner au taf. Enfin, même si je continue de travailler ici, retourner à Paris et tout. Et voilà, enfin, je suis trop contente, c'était incroyable. J'ai encore des trucs à faire, donc genre juste là, je vais faire ma valise sur ça. Coucou! Les gars, j'arrive. Regardez ce que je vois pas dans l'ascenseur. Voilà, vous voyez? Et qu'une seule chaussure. L'autre est tombée. Non mais, ça n'arrive qu'à moi ce truc là. Je suis rentrée. C'est passé trop vite. J'espère que les vlogs vous ont plu. En vrai de vrai, pour le coup, c'est la première fois que je fais d'aussi longs vlogs. Je vais vous faire une genre de FAQ, un truc comme ça. Comme ça, je répondrai à toutes vos questions au cas où. Je suis trop contente de vous avoir partagé ce voyage. Abonnez-vous si ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant d'avoir des retours constructifs. Et voilà, je vous fais des bisous.